N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important, mais surtout, surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusque la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis bientôt 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Liz. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog week-end. Aujourd'hui, nous sommes samedi, il est 6h30, d'où les cernes et petits yeux. Et aujourd'hui, eh ben on a une grosse journée. Alors, j'espère que ça va se maintenir. Il fait du soleil, mais il n'y a plus beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassandre. Cassandre est la fille d'un couple d'amis qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, ils sont belges, donc on va aller jusque chez eux, du moins en Belgique. On va aller jusque l'abbaye de Villiers, où aura lieu son anniversaire aujourd'hui sur le thème de l'archéologie. Je vous raconte pas, les enfants sont surexcités. Ils vont creuser la terre, découvrir des objets antiques. On va avoir droit à une petite visite de l'abbaye qui apparemment est magnifique. En ruine, bien qu'en ruine, elle est magnifique. Et on va pouvoir apprendre l'histoire de cette abbaye et de ces moines silencieux. Oui, silencieux, ils n'avaient pas le droit de parler, apparemment, moi, de ce que j'ai découvert sur mon ami Google. Et franchement, bah même nous adultes, on a hâte d'y être et de découvrir leur histoire et surtout celui qui a l'air vraiment sympa. Alors, je vous propose de nous suivre dans cette petite aventure. Et puis moi, bah, je vous reprends plus tard. Vous en dites quoi ?
Salut, salut. Moi, je vous reprends donc directement du site de l'abbaye de Villiers. Franchement, le secteur, il est trop beau. On voit derrière moi les ruines. Alors, c'est en ruine, forcément, mais c'est très vert. C'est vraiment très chargé d'histoire et très beau. J'aime beaucoup l'endroit. Les enfants s'éclatent. Alors, je ne filme pas les enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants et je préfère, j'aime pas filmer les enfants des autres. Donc, ils sont en train de faire une fouille archéologique. Ils s'éclatent comme des petits fous. Ils berdouillent dans la terre. Que demander de plus? Mais franchement, c'est un très beau site. Je vous mettrai le lien en description avec les coordonnées si vous souhaitez venir visiter le site. Il est magnifique et franchement, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont un musée absolument magnifique. Donc n'hésitez pas. Et honnêtement, pas moi, j'ai à tout à l'heure.
Alors là, on va directement ramener les petits cadeaux à papa pour sa fête des pères. Oui. Chacun a son cadeau. Oui. Et Walou, bon, on y va? Oui. Allons-y. Et un petit jus de pomme. Non, ils ne sont pas du tout énervés par la fête des pères. Pas du tout. Non, bah pas du tout. Du tout. Bonjour papa. Bonne fête papa. Hop là. Bon papa, il y a un estomac de moins. C'était pas l'estomac. Papa. Bonjour ma pouche. Je t'assis parce que j'ai un petit verre de jus de pomme. Alors pourquoi on n'a pas ramené le petit déj au lit? Parce que mon cher et tendre mari mange un porridge. Et je sais pas le faire moi le porridge. J'ai pas envie de frôler l'intoxication alimentaire. Merci chérie. Moi c'est cœur. Voilà. Bonjour, la plus petite. Oui. Ouvrir. Je peux tout ouvrir. Je vais ouvrir. C'est mes caisses. Comme ça, là. Hein? Ils sont encore plus énervés que toi. Un beau cœur. Avec la paillette. Avec la paillette. C'est la paillette. Allez lire. Des petits cœurs en couleur. Pour les mettre dans ton cœur, des petits cœurs tout en or. Pour te dire, je t'aime fort. Allez. Waouh, bravo mon amour. Soleil. C'est trop mimi. Moi. Oui, gros. Je vais ouvrir tout seul. Non, c'est à papa de l'ouvrir. Je prends mon plaisir. C'est pas son nom. Ah, ouais, ouais. Moi, c'est un nouveau. Oh, c'est gros. Hein. Moi, c'est un nouveau. Et c'est une très belle enveloppe. Au passage, hein, faut le dire. Moi, c'est un nouveau, papa. C'est nouveau. Et moi, j'ai fait des soleils. Ouais, il est trop beau. Et j'ai pris la parapluie. J'ai pris un parapluie. C'est trop mignon. J'ai pris un parapluie. Mais t'es beau, mon chachou. Elle fait des belles choses, sa maîtresse. Alice, moi, j'ai pris la parapluie dehors pour faire casque et vélo. Ouais. Oui. Vous ne les ai pas à votre voix? Si. Attends, t'appuies pas sur mon portrait. Alors, tu es mon doux rayon de soleil. Sans toi, rien ne serait pareil. Tous les soirs, tu me fais un câlin pour que je dorme paisiblement jusqu'au matin. Que des par cœur, toi. J'aime tant que tu me fais des bisous. Quand tu me dis des mots gentils et doux, je t'offre des jolis poèmes. Pour que tu saches que je t'aime. Waouh! Et c'est plein de couleurs! Ouais. Et le cœur, ça écrit quoi, le cœur? Bah, c'est. Bonne fête, Alan, papa. Je vais dire. Bonne fête, Alan, papa. Bonne fête, Alan, papa. Avec un petit porte-clés. Ouais. Il est trop mignon. Tu pourras jeter ton clé à la poubelle. Comme ça, on a nouveau. Comme ça. Ah, carrément, je dois jeter l'ancien à la poubelle. Oui, attends, je regarde. Oh, c'est beau. Avec, c'est l'écrit. C'est moi. C'est papa. Ça, c'est moi que j'ai fait. Bon, bon, bah, tu jettes tes autres clés à la poubelle. Hein, tu dois garder que celui-là. Oh, carrément. Ça me ressemble. Elle est trop belle. Je vous l'ai dit, j'aime bien. Et il reste Lilou et moi. Et maman? Oui. La maîtresse a réchauffé ça la four et ça vient tout petit. Bah oui. Allez, à toi Lilou. Fête, papa. Là c'est Lilou et moi. À deux. Ouais, ça c'est moi. Ouais, c'est pas fragile. Non. Non. Ouais, c'est beau. Ah, il y a même Vinyl qui vient dire une bonne fête. Ouais. Dans le couloir. Allez. Tu pourras les attraper. Attends, on a mis un coach. Un. Ah, mais du coup. On va mettre ça plutôt. Peut-être on écarte en plus. Tire de ton côté.
Hop. Oh. Tu en doutais ouais. Non. Non, vous mentiez bien. Deux t-shirts. Ah, trop bien. Ah, parce que le mien, il s'est auto-détruit, alors... T'as trouvé. Ouais, tu parlais de tes jeans qu'il fallait en racheter. Oh, merci, mes amours. Ah, pierre brute, en plus. Trop bien. Eh ben, merci, ça fait plaisir. Surpris. C'est pour ça qu'on a ouais. Ouais, bah oui, je me doute. Ah, attends. Attends. Ouais. Eh ben c'est et bien. Et voilà. Impeccable. Je suis content. T'es content Gaëtan? T'es content Gaëtan, ouais. Gaëtan c'est quoi? C'est rien. Hop. Bah ouais, trop bien. Un brut. Et un moins brut. Et un pas brut. Voilà, Eric voulait des nouveaux jeans. Alors, avec Lilou, on est allé lui choisir. Maman, comment qu'on va fermer de la porte? Parce que là, c'est fermé. Bah, il faut, faut ouvrir le porte-clé, mettre la clé et fermer. Bah, regarde, elle est partie. Regarde, Lilou va te montrer. Ici, t'as... Ah, attends, c'est pas le même que... Ah, alors, ça, c'est les plus beaux cadeaux, hein. Les câlins de sa poupée. Ouais. Bah, sinon, bah, tu peux l'ouvrir. Et chercher le dernier petit cadeau à Eric, un petit cadeau de dernière minute, mais qu'il est bien content. Qu'est-ce que ta femme et ta fille ont pensé à t'acheter? Un whisky japonais. Alors je vous montre de plus près cette petite beauté. C'est un whisky japonais assez réputé et plutôt sympa. Alors mon petit mari est bien content parce qu'il s'y attendait pas, c'était la petite surprise de dernière minute. Choisi par sa femme qui boit pas de whisky mais qui s'y connaît en whisky. Je me permets. Hein. Vas-y, ah, il veut voir la couleur de son whisky depuis que je lui ai montré la boîte. Et ça n'arrivera pas. C'est entier. Cela dit, jolie bouteille. Oui. Oh. Je savais quand tu m'as parlé de la couleur, j'étais mal. Voilà. Il y a même des versets de la Bible dessus. Monte la bouteille. Voilà. Ah ben, un papa heureux, histoire de faire passer les mauvaises journées pénibles de nos enfants. Mmh. Ouais, bonsoir, bon salut. Voilà. Bon, je vais clôturer le vlog ici. Nous, on va profiter de la journée en famille. Profiter les uns des autres. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour le faire dès maintenant. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonné à la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit et nous, ça nous fait remonter dans les stats de YouTube et ça nous permet de développer la chaîne de façon plus importante. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et puis, quant à nous, eh ben, on vous souhaite une excellente journée de fête des pères à tous les papas. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas. On like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!